Good morgen, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortuné Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal, et Marie Myriam Bat Julie Lebet Berda, et David Ben Rav Yitzhak. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Yoma, Perik Aleph Mishnah Vav. Imaya Chacham Doresh, Vim Lav Talmidei Chachamim Doroshin Lefanav, Vim Regil Likrot Kore, Vim Lav Korin Lefanav. Ouvame Korin Lefanav, Beiyov, Ouv Ezra, Ouv Divrei Yamim. Zachariah ben Kivutal Omer, Pamim Arbe Kareti Lefanav, Be Daniel. On commence à entrer dans Yom Kippour. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a parlé des 7 jours qui précèdent Yom Kippour avec le Kohen Gadol, comment est-ce qu'on le sépare de sa maison, on l'habitue à faire la Avoda. La veille de Kippour, on avait parlé de comment on lui présentait la Ktoret, comment il devait la faire. On le faisait jurer qu'elle n'allait pas manquer à tout ce qu'on lui avait demandé de faire. On avait même parlé des aliments qu'il devait manger. À la veille de Kippour, on veille à ce qu'il ne mange pas trop lourd, de peur qu'il s'endorme et qu'en dormant, il va avoir une impureté, une pollution nocturne. Et à présent, on entre maintenant dans Kippour, avec le soir de Kippour. Doucement, jusqu'au prochain Pérec, on va commencer à parler maintenant du petit matin de Kippour, c'est-à-dire la deuxième moitié de la nuit. Pour le moment, on est encore dans la première partie de la nuit, à la tombée de la nuit. On a dit qu'on ne va pas le laisser dormir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Imaya Chacham Doresh. Si le Kohen Gadol, il était quelqu'un de Chacham, alors lui devait être Doresh. Il faisait des Shiurim, il parlait de Torah, et nous on était là, on l'écoutait. Vim Lav, et s'il n'était pas Chacham, parce que comme on avait dit au Bait Sheni, à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, il y avait des Kohen Gadol qui n'étaient pas des Talmidei Chachamim, ils le payaient leur Zchout d'être Kohen Gadol, alors dans ce cas-là, la Mishnah me dit, bien, Talmidei Chachamim Doreshin Lefanav. Les Talmidei Chachamim lui faisaient des drachotes, il lui parlait de Torah, il lui parlait de toutes sortes de sujets de Torah. En plus, deuxième chose, s'il avait l'habitude de lire, s'il savait lire, alors on le faisait lire. Et si toutefois, Vimlav, et s'il n'avait pas l'habitude de lire, il n'était pas tellement doué même pour lire, analphabète, le pauvre Kohen Gadol, eh bien, dans ce cas-là, Korin Lefanav, alors des Talmidei Chachamim lisaient devant lui, des Kohanim qui étaient là-bas, il lisait devant lui. Ubame Korin Efanav, dans quel type de livre fallait-il lire? Be Iyov, Ub Ezra, Uve Divrei Hayamim. Dans le livre de Iyov, dans Ezra, le livre de Ezra, et les livres de Divrei Hayamim qui nous parlent. Alors, de Iyov, vous connaissez l'histoire avec Iyov, ça commence avec une histoire triste, un tzadik. Qui a perdu ses enfants, ses 3 filles et 7 garçons, ils sont tous morts, il a perdu toute sa fortune, et puis après il a été éprouvé avec des épreuves terribles, et du coup, tout le livre de Iov, c'est un grand débat sur la manière dont Hachem dirige le monde, pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent, pourquoi il y a des rechaïm qui ont tout le bien qu'il leur faut, et tout le livre de Iov, c'est un grand débat. L'avantage de Iov, c'est que si on est assez raffiné, c'est une grande règle. Quand on est très fatigué, ben, au lieu d'aller dormir, vous pouvez aussi étudier un sujet profond. En éveillant un intérêt pour le sujet, vous allez voir comment d'un coup, tout va se dissiper comme un petit nuage, comme une petite nuée qui va s'évaporer, et vous allez vous retrouver d'un coup en pleine forme pour approfondir le sujet. Donc le Iov, c'est de la Hakira, ça parle des conduits d'Hachem. Si le Kohen est raffiné, il va trouver un intérêt dans ça, et au contraire, il ne va pas s'endormir. En écoutant Iov, au contraire, il va bien se réveiller. Il y a aussi Ezra et Divrei Hayamim, ce sont des livres d'histoire émouvante, même par rapport à Ezra spécialement. C'est tout le retour d'Israël en Israël, tout le retour du peuple d'Israël en Israël pour construire le Beit HaMikdash. Ou encore Divrei Hayamim, c'est l'histoire de Divrei Hayamim, de tous les Menachim qu'il y a eu d'Israël. Ok? Donc tout ça, c'est dans le but qu'il ne va pas s'endormir, il fallait l'occuper. Comme ce qu'on verra, même plus précisément dans la deuxième partie de la Mishnah, dans la deuxième prochaine Mishnah. Où on l'occupait jusqu'au petit matin où il allait commencer à faire la Avodah Yom Kippour. Zechariah ben Kavutal Omer. Il y avait un Kohen qui s'appelait Zechariah ben Kavutal. Lui, il nous dit Pamim Arbe Kareti Lefanav ben Daniel. Sachez que moi, plusieurs fois, j'étais le délégué en fait pour lire devant le Kohen Gadol et je lisais dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, alors pour les abonnés du 5 minutes éternelles, maintenant ils savent combien il est beau ce livre, combien il est riche avec toutes les histoires. Et de nouveau, on a l'avantage que c'est un récit
Il y a à la fois du récit, il y a de l'espoir, de la Géoula, à Atida, il y a d'accord, tout le livre de Daniel. Et donc, Yisra Ben Kavutal témoigne que lui-même, il était, quand il était plus jeune, et qu'il avait le Beth Amikdash, il était lui-même préposé, mis à disposition du Kohen pour lire justement, désigné, délégué pour lire devant le Kohen Gadol, et il lisait le livre de Daniel. J'avais entendu une fois une explication que je retrouvais nulle part ici, c'est qu'il lisait dans Daniel, parce que Daniel il écrit en grande partie en araméen, et qu'en fait, il vient nous raconter en fait que des fois, le Kohen Gadol, il était tellement analphabet que même lire le Lashon Kodesh, il ne savait pas lire et le comprendre. C'était que l'araméen qui pouvait comprendre, donc il fallait prendre, à défaut, il fallait prendre le livre de Daniel pour l'entretenir, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Atzlacha comme tout, c'est là.